Le roi des Bamoun, est décédé ce lundi 27 septembre 2021. Le préfet du Naoun a scellé le palais selon plusieurs sources. Après plusieurs jours au centre des urgences de Yaoundé, le président de la République, Paul Biya a instruit son évacuation sanitaire au milieu du mois de ses primbres. Le sultan Ibrahim Mbombo Nejoya n'aura pas survécu. Fils de Sédou Nejimoulu Nejoya, sultan des Bamoun, Ibrahim Mbombo Nejoya, est né le 27 octobre 1937 à Foumban. Il est, depuis 1992, le sultan, roi des Bamoun au Cameroun. Au terme d'études primaires à Foumban, sa ville natale, il ira poursuivre ses études secondaires en métropole française, puis reviendra les parachever au lycée général Leclerc de Yaoundé. Après son baccalauréat, il poursuivra ses études supérieures au Sénégal, à l'Institut d'études administratives africains de Dakar. Il y obtiendra un diplôme du deuxième degré, administrateur civil de formation. La carrière du jeune prince commence effectivement durant la première décennie suivant l'indépendance, lorsqu'il avait 20 ans. Il a occupé tout d'abord le poste secrétaire d'État à l'information de 1960 à 1961. Par la suite, il a été directeur du cabinet du ministre des Forces armées, 1961 à 1964, puis commissaire général à la jeunesse, au sport et à l'éducation, 1964 à 1965. De 1965 à 1970, il devient vice-ministre de l'éducation nationale, de la culture de la jeunesse et des sports. En 1970, le destin le conduira dans la diplomatie où il séjournera pendant environ dix ans. Il est tour à tour nommé ambassadeur en Guinée-Équatoriale, 1970 à 1974, puis en Égypte, 1974 à 1980. En 1980, il revient au gouvernement comme vice-ministre des Affaires étrangères, mais pour un séjour fugace. En janvier 1982, il est muté au poste et télécommunications. C'est au cours de cette année que le président Aïdjo décide de quitter le pouvoir au profit de son successeur constitutionnel Paul Biya, qui en 1983 renouvelle sa confiance au jeune prince Ibrahim en le nommant ministre de la jeunesse et des sports. NJMBOUMBOU, comme les Bamins aimaient si bien l'appeler, va gagner en popularité avec la performance des Lions Indomptables, équipe nationale de football du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984 à Abidjan, victoire annonçant leur future épopée en Coupe du Monde en 1990. Il va gérer ce département ministériel pendant trois bonnes années, de 1986 à 1988, il est ministre de l'Information et de la Culture puis celui de l'Administration territoriale, 1988 à 1990. En 1990, il revient au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports, preuve de la maîtrise et la bonne gestion de la chose. Au moment où son père, Sa Majesté Njimolu Hseidou mourrait le 27 juillet 1992, le prince Njimbo Uombo est passé de sultan à roi des Bas mains c'est-à-dire de l'administration d'un ministre, à celle de roi de tout un royaume. Ceci est une suite logique d'une carrière exceptionnelle de l'homme qui va devenir le 19e roi de la dynastie de NSRN.